Salut le pote! Un truc de ouf de qu'est-ce qui vient de m'arriver le pote? Allez le pote, je vous raconte le pote. Tu sais mon pote, Dis-moi. comment qu'est-ce que être de ouf, de explicite de ouf, sans qu'est-ce que j'ai besoin de courir mon pote? Tu sais ça mon pote, t'essayes de... T'as oublié que j'avais 19 de QI mon pote. Moussa, tu sais à qui me fait penser? Donc du coup mon pote, tu vois qu'est-ce que j'ai en main mon pote? Donc tu vas rester mignon mon pote et tu vas qu'est-ce que bien rester à ta place. C'est la première fois, la dernière fois que qu'est-ce que je te dis mon Ok, pardon. pote. Ou sinon qu'est-ce que tu vas vite te retrouver qu'est-ce que au-dessus d'un pont mon pote. Ok mon pote. Moussa. Et qu'est-ce que elle sait très très bien que quand je commence qu'est-ce que à parler de au-dessus d'un pont mon pote. Alors là mon pote, voilà c'est ça ouais, mon non, pote. C'est pas ça qui t'a demandé non plus. Okay, j'espère que quoi ce qui est du message de la postication, elle est passée de ouf. Passé, c'est passé, promis, ça se reproduira plus. Voilà, voilà mon pote, comme ça, quoi ce que je cours plus mon pote. Bon, quoi ce que j'avoue, j'étais peut-être déjà quoi ce que un petit peu excité mon pote. Bon, alors les frérots, ce soir je vais vous expliquer une baille en deux spies. Là on vient de voir les Crips qui montaient dans le nord. Et il faut savoir que c'est absolument parti déjà très très loin. On a fait des drive-by très très gang. Ils ont chopé à nos petits. C'est lequel des petits qu'ils ont chopé hier? C'est toi? Moi, oui. Ils ont tatoué un truc dans son cou après qu'on a été choper la femme. Donc en fait, c'est une histoire sans fin. Et ce soir, j'ai envie que leur histoire s'achève ici au bout du chemin. Voilà. Donc je sens que on va les taper. On va les taper sévère. Chargez bien vos calibres. Restez bien attentifs. Il y a une voiture qui est partie dans le nord. Je vais prendre la voiture d'intervention rapide du Blux Gang, c'est-à-dire la Buffalo S, et on va aller voir. Soir on tourne, il va falloir qu'on parle au Latin King, il y a une erreur qui a été faite de notre part aussi. Il va falloir qu'on s'arrange, voir si les LK veulent nous rentrer dedans ou pas. On a toujours les Mara 18, on a des guns, des armes à récupérer. J'espère que vous êtes chauds les frères. Bien sûr, Jim. Si vous êtes chauds aujourd'hui, on est chaud de ouf. Voilà, allez, on y va les chacals. Vas-y, je vais m'équiper moi. Ouais, je fais arracher tout. Vas-y, t'énerve pas trop, mini-roca, t'énerve pas trop. Tiens, un petit peu. Ah, va, très bien, et toi, mon grand réfé. Eh, sous mes madri, on a la forme olympique. Et quand? Vraiment, et quand je te dis la forme olympique, c'est la forme. Quoi, t'as sniffé quoi aujourd'hui? Eh, j'ai sniffé de la coco sur la tête d'un Crips, tu vois? De la coco sur la tête? Je vais me les finir, putain de merde. Comment ça, tu vas te les finir? Tout le monde veut se finir les Crips, moi aussi, ils m'ont fait des dingueries. Ah, ben écoute, pour le coup, de chacun son tour. Moi, je les croche, je leur arrache la tête. C'est clair et net. Moi, je les croche, je leur tire dessus. Moi, je les croche, je leur tire dessus, moi. Moi, je leur tire dessus. Putain de merde, dis-moi. Non, non, c'est moi qui leur tire dessus. Putain de merde, tu fais chier, je t'ai dit, moi. Non, moi, je dis, moi, m'oblige pas à sortir ma clavolette. Oh putain, là, t'auras okay, pas le bon. Temps, là, seul. Aïe, oh putain. Allez, je comprends. Oh, putain. Oh, putain. Gros blazer de merde. On est à deux, Ados. Tiens, Ados toi. Voilà. On se prend à deux, tiens. On prend à deux. À deux. Si. Tiens, Pumba. Je vais te manger. Je vais te manger. Jamais. C'est qu'est-ce que tu veux? T'as qu'à faire plus. Ados. Ados, recule moi. Désolé, voilà, voilà, il m'a poussé, mousse-mousse, ça va bien. Vas-y, 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 hop là. Tiens, hop là, voilà. Comme ce que le Audi avait dit, c'est la guerre. Du coup, on traque les Rips. Il ne facilite pas la tâche. Mais quoi ce qu'on ne lâche surtout rien du tout, mon père. Du coup, on chope un banc à eux, et tout ça devant les cops. Je t'explique un truc là, t'es avec Pumba, et quand il est avec nous, sale meurtrière, ça fait toujours mal. C'est jamais bon pour toi, mon pote, ça veut dire qu'il va y avoir du crimage dans l'air, mon pote. Et tu sais quoi ce que c'est du crimage, mon pote?
Ça va être ton moment où Kroos... Eh ouais. Oh putain, yo, moi, je veux pas mourir, les mains. C'est le moment où tu vas te donner toi ta cul, enfoiré. C'est ça, mon pote. Yo, tu fais peur, putain. Reste bien ici près de nous. Ferme-le, yo, ta petite gueule, là, hein. Attends, Oji, Oji, écoute-le celui-là, dis à ta mère, Oji. Hé, tonton, les enfants, ils sont relous. Hé, tonton, les enfants, ils sont relous. Tu vas pas la musique de Rita ou quoi? Tous paix à lui. C'est les pouces, les petits, faites gaffe. On s'égoille plus que ce que j'ai dans de la mer, mon pote. Voilà. Non, putain, les mains, s'il vous plaît. J'ai entendu parler de la cravate colombienne. Dire, on va te faire un trou dans la gorge et on va te tirer ta langue, ça sera une cravate. De là, j'en ai fait une affaire personnelle. Est-ce que quoi ce que tu connais de la légende de Moussa le meurtrier qui a tué des nombres et des mille et des cents de rips? Est-ce que tu connais de ça dans ton quartier? Est-ce que t'as déjà entendu la rumeur de Moussa? Non, putain, yo, je l'ai jamais entendu. T'as jamais parlé de Moussa dans ton quartier? Jamais, tu vas me dire. Eh ben, tu sais quoi, tu vas presque me faire du plaisir, mon pote. Tu vas presque demander à ton OG de pacotille, de bac à sable, de prime, de... Enfin, parce que à ton OG, qu'est-ce que je veux dire? Eh ben, tu demanderas s'il y a des rumeurs, mon pote. Sur du Moussa, du meurtrier. C'est la rumeur que j'ai de toi, Moussa, yo. C'était quand on t'avait fait un C sur le ventre, je m'en rappelle. C'était il y a 6 ans. Ok, donc qu'est-ce que tu te rappelles de ça? Eh ben, ok, mon pote, t'as vu qu'est-ce que... Ouais, t'as gueule, vu le débile, le débile, il a oublié qu'est-ce que j'étais 19 de QI, mon pote. Il vient d'avouer, donc hop, prime de plus de qu'est-ce que je peux découper. Non, moi, s'il te plaît, s'il vous plaît, donc qu'est-ce que t'as avoué? Justement, mon pote. On cherchait qu'est-ce que exactement qu'est-ce que m'avait fait ça, mon pote. Donc du coup, pourquoi est-ce que t'étais petit? Attends, tu sais quoi, c'est ce qu'on va faire, on va prendre une natte pour Tiche. Hop là, une petite natte pour Tiche. Oh putain, yo, s'il te plaît. Voilà. Non, tu sais, qu'est-ce que putain d'idée de ouf. Bouge pas, maintiens-le ici, mon pote. Il doit pas bouger d'ici. Bouge pas, mon pote. Bouge pas, putain. Tiche! Non, s'il te plaît, yo, je vais avoir le froid à l'air! Ouais! Hein, toujours toi, qu'il y a toujours tout sur toi? Est-ce que, t'aurais pas un marqueur débile? Tu vois les marqueurs débiles que tu écris, que ça s'efface pas même quand il pleut? Attends, laisse-moi regarder. Ah, il faut l'avoir à la Java! Attends, ça c'est quoi? Non, ça c'est le briquet! Faut nettoyer au détergent! Merci beaucoup, mon pote! Ok. Je te reçois, mon bug! Écartez-vous, j'ai fait une affaire des personnages, mon pote! Écartez-vous! Personnel! Il est gentil, il va te le faire au marqueur! Regarde-moi des face à face de ouf! Et vraiment, il a du mal à partir, lui! Hein. Ouais! Mais est-ce que. Au Karcher, ça part ou pas, yo? Non, du tout, mon pote! Alors, je vais écrire. Tu vois, parce que moi, je suis du mal à de ouf! Je vais pas faire comme vous parce que toi t'as mis du 7, toi et tes rigolos des pacotis. Eh ben moi, je vais mettre un cacos que je vais mettre, mon pote. Il est plus que temps de l'attaquer à la gorge. Et maintenant, qu'est-ce que je dois bien vivre avec de ouf? Eh ouais, mon pote. Ouais, eh ben justement pour ça, mon pote. Comme ça, je t'ai fait un petit dessin de rien du tout, mon pote. Et comme ça, dans 5 minutes, j'aurai moins de scrupules pour te tuer quand le OG va me demander mon... Non, s'il te plaît, voilà. Et tu sais ce qui va se passer? Je vais te prendre dans mes filets comme ça, yo, je vais te maintenir dans mes bras comme ça, fort. Moussa, il me fait peur, yo, putain. Mais Moussa, il va te... Il va te tenir pendant que j'ai tes gorges de ouf. Ouais. Putain, mais les moines, vous faites trop peur. T'es gorgé comme un lapin, comme un mouton, comme n'importe quoi. Tu me stresses là. Putain, c'est quoi? On va lui faire un B ou chalumeau en fait, je crois. Oh non, putain, yo! Non, pas tout de suite parce que j'ai pas encore acheté le chalumeau, mon pote. Ouais, putain, t'as de la chance. Ouais, t'as de la chance. Ouais, j'ai vachement de chance là pour le coup. Écoute, tu diras à ton Oji que Moussa du meurtrière, il a passé des messages que en cause que. Première cause que avertissement de vengeance de ça écrit au marqueur des débiles.
Après mon pote, je prendrai tes neiges et j'écrirai avec le sang de ton œil sur le corps de quelqu'un d'autre, mon pote. Ensuite... Même pas, avec le sang, avec ses larmes. C'est ouais, son avec... sang et ses larmes. Ouais, c'est ça, mon pote. Après, mon pote, après, je vous attrape, je coupe des doigts et j'écris dans, à l'entrée de votre hood. Moi, c'est le plus beau gosse de tout Los Santos, parce que c'est un cause que tout le monde dit. C'est mon pote, avec vos doigts découpés, mon pote. Tu vois, un doigt, un caractère de ouf. Ouais, voilà, c'est... Ouais. Voilà Moussa, c'est ça qu'on veut entendre, la violence. Bon, il ouvre votre Audi là. Wow, bah, y a un problème là-haut, t'as pas vu? Ah mais ils cassent les couilles, on leur dit qu'on doit régler un truc, ils bloquent la, je crois qu'ils bloquent la route. Sinon ils sont, qu'est-ce qu'ils doivent être par là mon pote, Audi. Plus haut, tu veux aller voir Audi? Ah je comprends les cops, ils m'ont déjà rendu fou depuis tout à l'heure. Audi, t'as vu le B qu'ils m'ont fait au marqueur? Ils t'ont fait quoi? Un B au marqueur. Ça va un B sur son nombril. Le marqueur, ça va, tu vas te laver, ça va partir. Bah ouais. Qu'est-ce que c'est des marqueurs ODB, mon pote? C'est des marqueurs des spéciales. Parce que je pense que. Rips, mon pote. Parce que je pense que ce que KG m'a dit, Moussa, il a encore une cicatrice sur le ventre. C'est justement quand on discutait de ça, et que qu'est-ce que justement, hein, de comme de chez par hasard, Moussa, qu'est-ce qu'il avait sur lui, hein? Comme des marqueurs débiles, mon pote. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait ça? Parce que j'avais pas de chalumeau, mon pote. Parce que sinon, comme qu'est-ce que j'ai dit? Après, quand il y aura. Quand le marqueur, il y en aura plus. Hein, qu'est-ce que je vais faire, mon pote? Tu dis, qu'est-ce que Moussa va faire? Moussa, il va utiliser des scalpels. Après, il va couper avec la lame des yeux de la pupille de l'œil. Après, il va faire ça avec vos doigts, les potes. Enfin, Oji, enfin, avec pardon, pas les tiens, Oji, ouais, bien sûr. Moi, c'est pas quoi ça que je voulais dire. Tiens, Moussa, calme-toi. Ouais, mais ne reparle pas de tes plans d'abonnés, Moussa. C'est vraiment... C'est la surprise. Ouais, sinon ça sinon va, ça va la femme. Ouais, mais vous allez dégager de mon territoire, là, je commence à perdre patience. Bah, on peut pas partir, là, on est légèrement bloqué par la justice. Tout le monde pensait que cause qu'on perdait le contrôle. Seul contre tous. Qu'est-ce qu'ils croient, eux, mon pote? Bon. J'avoue, ça n'a pas été quoi très très simple pour sortir de là, mon pote. Mais quoi que j'ai tout géré de ouf. Y a un problème? Tu peux l'appeler. Carter, viens ici. Carter. On protège. Viens ici. Ouais, je vais essayer. Mort pas. Va t'excuser, mon pote, va t'excuser tout de suite. Va t'excuser. Monsieur. Monsieur, moi je suis désolé. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Y'a pas de quoi. Vous avez pas des de problème. Assez magnifique. Y'a pas besoin non plus de me les lécher. Hein. C'est bon, viens, c'est bon. Abandonne. Et tu vas nous foutre de la mort, mon pote. En principe. Pour une seule seconde à nous. Ah bon, les Hankins veulent se mesurer à nous, mon pote. Si tu croyais que nous, les Young Bloods, allait fuir, mordeur d'oreille. Au milieu de tous, la pupille de leurs yeux flippait, mon pote. Croyez-moi, notre défense, c'est l'attaque du requin. La tension monte de ouf. Je sens le chagrin de Moussa le meurtrier sortir de moi. Cela ne s'arrêtera que cause que jamais. Mais grâce au grand Oji de ouf, on s'est échappé. Au coin de la rue, encore les rips.
Même en les écrans bouillants, il en reste toujours des ouf. Ça, c'est des rips sans moi, sans mon pote. Le business, il croit ce qui s'arrêtera jamais de ouf. On est 2, 4, 6, 8, 10, 11. Alors, vous savez très bien que Os Blood, ça fait 0,31 Blood dans leur gueule, ma gueule. Le sang. Hein ? 0,31 le sang. Et ce soir, on va leur montrer. Alors, comme vous le savez, ça fait un moment qu'on contrôle le territoire de la plage. Et mes petits qui vendent, qui charbonnent tous les jours, jour et nuit. Ah, ça charbonne plus que des fourmis. Ils m'ont dit quoi ? Ils m'ont dit, ouais, Oji, il faut qu'on s'étende. On n'a plus assez d'influence. On vend trop, ma gueule. Voilà, West Side. Du coup, Oji, il a pris les choses en main. Moi, Stoner, on s'est posé. Qu'est-ce qu'on s'est dit, Stoner ? Vas-y, dis-leur, qu'est-ce qu'on s'est dit ? On va prendre toute la West Side, les gars ! Prendre le West Side, les gars ! Le West Side, ça représente quoi ? Ah, ça représente la plage. Ça représente Del Piero. Et une petite partie du Bahama jusqu'au cintière. Toute la côte Ouest, on blotte ma gueule. Alors, du coup, ce soir... Attendez, Stoner, vas-y, chauffe-les, frère. Ouais. Alors, du coup, ce soir, je compte sur vous pour ratatiner des crips, les boys. Le sac monte, le 6 descend. Vous connaissez la chanson. Vous êtes chaud ou pas, les boys ? Vous êtes chaud ou pas, les boys ? On est chaud. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aux rips, les boys ? On va les plomber. On va les plomber. On va les choquer, encore. On va les arracher. Très bien, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, les boys. Bon, les frères, d'habitude, je vous dis de vous calmer, tout bordel. Là, on va grimper dans les voitures. Que tout le monde prenne au moins 3 chargeurs si possible. Moi je vais laisser le pompe parce que je le sens pas te l'embarquer dans ce type de situation. C'est trop ouvert. Du coup je pense que je ferai pas de dégâts. Je vais mettre ton Beretta également. Et puis so whoop ma gueule hein. J'ai un chargeur en trop là. Petit tour là, pas qu'on en ait derrière nous. Merci bien. Ils sont tous cachés, hein. Qui fait votre bac ? Mon avis, ils sont au fond de la fête foraine, les boys. Oui, ils sont dans la fête foraine et tout, hein. Donc, ok, on va avancer. Je les ai vus ! Je crois que j'en ai vu un, il est tout au bout. Je suis pas sûr. Je pense qu'ils sont tout au bout de la fête foraine. Et je confirme. On a vu un au fond. Voiture du shérif. Déjà ? Ouais, c'était vers Carter, ils sont vraiment jusqu'au bout. Dès que vous avancez, moi et Maître Gims, on avance en même temps d'une ruelle, d'accord ? J'attends votre call, on fait votre bac à chaque fois. On avance. Gauche, dis. À gauche. Attention le pont, bon. Vient derrière le pont. Un au sol. Ouais. Pumba est tombé. On a les camps. Moins deux. Ok, vous voyez la fête foraine d'El Perro, ils sont derrière. Le truc qui longe la mer. La petite balustrade, il y en a 3 ou 4. Derrière les cendres, les bails. On est là, il y en a qu'un qui est tombé, je crois. Alors sur la droite, il en reste encore un ou deux, d'accord, sur l'allée principale. Ils vont tous venir vers la gauche, les gars, je suis en train de les voir un pas. Je peux pas les tirer, mais ils vont tous venir où là, à gauche, ils sont toi, juste... là où je vise. Ils sont derrière. Derrière les tentes. Ouais, okay, carrément. Ok, ouais. Moi je vais faire le tour, Bancho. Recule en arrière et gardez les deux. Fais attention, ça tire en face. Toi, Moussa, s'il faut, tu rentres dans le petit toilette où je suis là, Moussa. Derrière toi, à ta droite. Ok, mon pote.
Regarde s'il y a rien qui vient dans mon dos, ok, au moins. Ok, ça marche. Je vois le côté. Faut les repousser, faut les repousser. Allez, faut les repousser. Faut qu'on tente un move. Ça, ils sont deux là-bas dans le fond. Ils sont deux là-bas derrière les tentes, deux qui sont passés. Oui, il y en a un, j'en ai vu un sur mon pote derrière le bleu, mon pote. J'ai vu deux couverts. Doivent être derrière les tentes, faites attention. Hein. Nerdy, c'est ça, ça va? Ok, ouais, ça va. Je viens de buter Coolio. Ok. Je pense qu'il y a un move à tenter à gauche, Audi. Allez-y, moi et Tichot, garde la droite, allez-y. Qui à gauche? Avec moi. J'arrive, il y a moi, il y a moi. On va finir, hein. Les flics, ils vont finir, hein. Faut vraiment finir, hein. Veux le terrain, faut en finir, les boys. Non, on se tire. C'est moi ça, les boys. Ouais, tranquille. Cool. D'accord, c'est soit on se tire, on va voir les flics qui vont nous... On y va. On va voir les flics qui vont nous push, hein. On a encore 2 minutes, peut-être. On les ensemble, les gars. C'est tout seul, mon appareil. Attention, on a pris des cartes de ouf. On a besoin d'aide ici. Moi. Je vais sonner à Luigi. Je vais voir s'il veut se barrer. Je vais lui donner une chance qu'on les finisse pas tous. Ils veulent pas se rendre. Finissez-le. Ok. Ok. Encore 5. Qui font sur la droite, les gars. T'es où, toi? Je suis toujours à droite. Il va arriver sur la droite, me tirez pas dessus. Ok, j'en ai un. Potchisori, vous êtes où exactement, les potes? Écoute, moi et Tish, on est sur l'allée principale à droite, d'accord? Ou un petit peu devant le billard bar. Il y a tous les flics qui sont en train de nous encercler derrière. Il y en a encore un qui s'est mis à leur voiture. Soit faut faire le tour tous par la gauche. Est-ce qu'on a une possibilité? Parce que le milieu, c'est très très chaud. Hein. Moi, je suis au niveau par la gauche, justement, là où il y a les tentes bleues, mon pote. Toute la voie là sur la gauche, elle est libre, mon pote. Que vous savez où ils sont exactement? Toujours un derrière sa primo. Écoutez, on va se réunir, d'accord? Et on va y aller, hein. On y va, vous se tire. Ah, franchement, il me fait chier depuis tout à l'heure, viens, on se le fait. Ok, bah faudrait passer par la gauche pour moi. T'es fait de foraine, quoi. Tu vois, il y a la grande roue, faut passer par là. Ok, je vais tenter de reculer. Ah, retour radio. Toi, oh, t'es où? Ah, grosse dinguerie, j'arrive. Ça t'arrive? Ça va, ouais. Frère, tais-toi si t'es pas avec moi. Ok, Moussa est là. Tish, on t'attend. On va essayer d'y aller, hein. Répète-moi où t'es, frérot, s'il te plaît. Tish, juste derrière toi. Tu recules, j'étais derrière toi. Tu m'as vu depuis tout à l'heure, en plus. Venez. Ils vont croire qu'on part. Venez, on va aller sur la droite, tant pis. On va aller jusqu'au bout. Allez, viens, Moussa. Faut qu'on y aille ensemble.
Faut être attention, jusqu'ici ça va. À l'armoire électrique, ils étaient là pas loin des cabines, mon pote. Vous vous rappelez pourquoi qu'est-ce que je vous avais dit que j'ai senti que le chakra de Moussa, le meurtrier, sortait de moi, mon pote? Je pense qu'il a avancé vers après moi. C'est parce que maintenant ce sera Moussa l'assassineur. Oh. Attention, vas-y, en ça, face, en face. Rage, attention. En face, là, près des cabines, mon pote, des machines à coca, mon pote. N'est pas les refs, vous donnez pas, hein. T'as encore des balles? Ouais, j'en ai encore, mon pote. Je pense qu'il doit rester deux grands matins. Faites attention qu'il passe sur notre droite ici, là, mon pote. Ouais, mais... Il fouille le pote, il fouille le pote vers l'allée centrale, le pote. Attention, Moussa! Vas-y, Moussa, garde la tige, viens avec moi! Viens avec moi, viens ici. Vas-y, par là, on va par là, vas-y. Go. J'en ai eu un, mon pote. Les deuxièmes de haut. Je vais vers leur primo. En tout cas, celui qui prenait la faute, je l'ai eu, mon pote. Y'a plus rien vers leur primo. Qu'on se tire. On a gagné le terrain. Bravo les petits. On se tire. Fallait une voiture. Venez, on va aller à la Buffalo. Bravo, Moussa et Tige. Bravo les équipes. Bravo les décédés. Je vous kiffe, les frères. Vers ta droite. On peut prendre personne, venez, on va voir tous les flics au cul, c'est logique, allez, venez. Allez, viens, frérot, viens. Vas-y, casse-toi, mon pote. Vas-y, monte, frérot, monte. Arrête-toi, nique ta mère. Oh là là, mon pote, je sais pas quoi ce qui m'a pris, mon pote. Oh là là, mon pote. T'as vu ma petite main douce comme tout ce que je t'ai sauvé la vie de ouf? Oh, je suis méchant. Oh là. Qu'on a tapé. Bon, je le dis, c'est pas le meilleur tireur. Par contre, pour vous placer, avouez que je suis bon. Franchement, t'es le meilleur de tous les sens de ouf, OG. Par contre, la voiture, elle galère. T'inquiète, on a confiance. Là, y'a personne, y a pas de petits qui peuvent nous ramener de bagnole là. Je pourrais peut-être jouer la carte. Fait le plus dur, mon pote. On a fait le plus dur là, tu crois? Oh, mais mon pote! On a une moto, on a des boys derrière, on va peut-être devoir leur ouvrir le feu dessus, je me rends pas! C'est qu'un détail! Je me rends pas, aujourd'hui je me rends pas, je m'en bats les couilles! Ah, c'est sûr que moi non plus, pour une fois que cause que je suis pas dans des opérations de ouf! Non, même! Fais confiance, c'est comme chez toi, merci, bisous! Réactive cette nana! Incroyable! Ah, une nana, Ah bon? J'ai pleuré de larmes de sang, j'ai plus de nana, ça fait 4 jours, j'ai pas Ken. T'as plus de nana? Non, Ashley, elle veut plus me toucher le petit OG. Oh merde! Oh oh. Moi, qu'est-ce que j'avais oublié qu'à chaque fois que ça discute des trucs comme ça, il faut qu'on faire comme si, qu'est-ce que je sais pas là-bas. Exactement. Quoi, t'es gêné? Non. Pas du tout, OG. Ah, t'as déjà fait l'amour? Mais bien sûr.
Avant, quand que j'avais, dans beaucoup de fois, j'avais Koski de copine, elle s'appelait Nadine, la femme parfaite, mon pote Koski, 1 kilo pour 1 cm, mon pote. Ah ouais? Koski, elle habitait dans de la caravane de ouf, et Koski, ben, c'est elle qui, pour la première fois, a fait jaillir toute la reconnaissance du Zigouigoui. C'est ma petite Nadine. Okay. Enfin, ma petite Nadine. Mais Koski, j'ai failli tuer son mari pour l'épouser, mon pote. Mais un jour, Koski, ils sont partis, mon pote. Il paraît que c'est comme ça, Koski, chez eux, mon pote. Qu'on va avoir pas de choix que les allumer, frère. J'ai peur. Koski, donne okay, la merde. Ok, je vais chercher Saoud et je serai prêt. C'est pas nous, laissez-nous tranquille, blablabla, laissez-nous tranquille. Oh bah... T'as vu la patte qui m'a arrivé? Le gros il m'a arrêté net. Mais what? Mais c'est pas même... qu'un mythe. Je pouvais même plus bouger le volant. Il m'a fait slider la voiture, c'est plus de pute. On sait quoi faire de combat maintenant. On sait comment s'y prendre pour réussir de ouf. Je crois que sa graisse était coincée dans la roue. Là on est dans la merde, mine de rien. Ouais. Alors je vous propose plusieurs plans de fuite où on va peut-être devoir le tirer. J'ai peut-être une idée. Ok Zach, tu m'écoutes? Ouais ouais. Est-ce que tu te souviens quand on était petit? T'as la casse de Grove Street, t'as une espèce de mur où on peut sauter à l'arrière, je te dis t'es sauté un milliard de fois. Ouais. Tu sais nous mettre une voiture derrière, on va tenter un move et si on doit les canarder, les canardera, on va essayer de s'en sortir hein. Là j'ai qu'une voiture de place là. Hein? Y'a aucune voiture. Tu n'auras pas la situation facile, Zach hein. Y'a aucune voiture route. Il a ruiné tous les plans en 2 secondes. Il a cassé Koski tout désespoir de ouf. Attends, en plus, ils coupent leur gyro, quoi. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais me donner. Vous allez bien écouter ce que je vais vous dire. Je vais faire comme tout beau Oji se doit et je vais sauver mes petits. Mais ce serait peut-être pas mieux que Zach. Du contraire, OG sans ouais. Te décommander mon pote. Ferme ta gueule, c'est moi qui commande. Ok, d'accord, ok, j'ai OG. Zach, tu vas mettre la voiture de place. On va sécuriser Moussa et Tish. Moi t'inquiète. Je gère, je suis OG, je sais pourquoi j'ai signé. Divantish, ça c'est du grand OG, c'est pas toi qui écoute. Alors je veux bien, mais Moussa, tu sais conduire? Donc je mets la voiture côté. Vous avez pas compris, vous avez pas compris. Vous aurez juste à courir. Je vais leur tirer dessus. Vous vous barrez. Ça, qu'est-ce qu'on sait faire, mais il faudra l'aider parce qu'avec ses petites jambes. Vite, mon pote. Ils vous ont pris shot, reste à la casse. Ils vous ont pris shot, reste okay. À la casse. À droite. Reste à la casse. Carré. Allez vous cacher dans l'usine. Ouais, ils sont devant la voiture. On est dans le zen. Laisse faire, frère. Je suis en train de leur mettre des coups de brain, ils vont rien comprendre à leur vie. Ici, on peut sans un tir, sans rien. Je me presse, mon pote. Je reviens quand même pas que quoi ce que nous on a fait, s'insiste. Tu te rends compte? Nous, s'il te plaît. Nous. Non. C'est pas normal. J'ai pas compris, mon pote. On a eu. Il y a une voiture qui rentre dans la casse. Planquez-vous bien et ne bougez plus. Hein. Écoutez-moi.
y a une petite bonbonne derrière, je sais pas ce que c'est, du coup ça me rassure pas trop. Ouais, Tiche, etc., ça va ? Moussa, Tiche ? Ouais, ouais, ouais. Vous êtes toujours planqué ? Ouais. Ok, je vais venir vous chercher. C'est bon, j'ai une voiture assez rapide, je peux aller les chercher. Et ok, super, va les chercher, sécurise les, d'accord ? Il y a encore un petit qui s'est fait ramener au par la rouquine. Oh. Un petit tour histoire de voir s'ils sont pas encore là. Il a dit quoi? Je sais pas mon point, mais qu'est-ce que ce serait pas mal? Soit il regarde voir s'il y a des gens, il nous dit où on l'attend mon point. Ah ouais, parce que venir nous chercher c'est bien, mais nous faut qu'on sache si on peut sortir, tu vois. T'imagines, on sort et il y a un barrage de cops. Ça sent de ouf mon point. De toute façon, moi par message, j'ai demandé de me dire s'il y avait encore du monde à la case. Bon, c'est tout bon, t'es ouf. Et je lui ai dit, en soi, la voiture, on s'en fout, quitte à ce qu'on parte par les canaux, tu vois, on est à côté. Bon, parce que s'il vient nous chercher en voiture, comme ça, on marche pas de ouf. C'est aussi plus mieux, mon pote. Comme ça, on marche pas, mon pote. Bah, on va quand même marcher pour sortir de l'usine. Bah, qu'est-ce que... Bah... Ouais. Vas-y, mon pote. Roule ma poule! Oh là où j'ai dû aller la chercher on la voiture! Les a bien déglingués, on les a déglingués, on les a déglingués! T'as vu ça comme quand que je t'ai sauvé la vie de ouf! Grâce à moi, si j'étais pas là, mon pote, t'aurais pourquoi ce que jamais eu de la peau douce de ouf! De quoi? Je t'ai sauvé la vie! En quoi tu m'as sauvé la vie? Regarde celui qui t'a jailli dessus, mon pote! T'es la guerre par quoi ce que j'ai fait clic clic bang 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 mon pote. Quand le dernier non, avant que Costco juste à la fin mon pote. Ah oui la batte oh. Ouais, c'est ça. Mon pote. Ouais celui de la batte il m'a fait peur. De ouf. Je me suis dit attends. Il essayait en plus, il arrêtait pas. Puis après, ah, après on en a eu presque. On a eu les deux derniers mon pote. Oh là 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 là. Moi je descends déjà mon. Je les ai tous déglingués, je les ai tous déglingués. C'est qui en vie, c'est Moussa. 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 Ça va ou quoi les potes? C'est Moussa. Moussa, il a sorti le verre et tout. Ben ça va tranquillement, parce que je me sens beaucoup mieux mon pote. Parce que du Moussa, du meurtrier a jailli mon pote. Oh sinon ça va? Comment est-ce que ça a été vous les potes? Bon ça va nickel. Ça a été rapide. Nous ça a été très rapide. Oh. Ouais on te regarde, on te ramène tout au G en comment dire, en chair et en os. C'est tout gentil les potes. Merci Koski d'avoir veillé sur le meilleur de tous les OG. Eh bah comme d'hab, si vous avez besoin, ouais. Vous savez où on est. Merci beaucoup les rednecks. On se rappellera des ouf. Moi oui, t'inquiète. Bon, désolé, parce qu'il faut que j'aille me laver les mains. J'ai dit ça, ouais, des ribs de ouf. Faut qu'on aille réparer nos camachos. Ouais, voilà, vous les déposez en sécurité. Ok les potes, bisous les potes.